lancer. On est en 11-1 dans cette arène. Dans cette arène, je suis en mage tempo. Bonjour YouTube. Franchement, c'est le feu, hein. C'est insane. Franchement, c'est cette dev board, hein, cette carte, éclate les adversaires, hein. Le petit pyroblast au cas où, hein, ça me permet de donner une condition alternative. C'est incroyable, j'aurais jamais cru. Bon, il est 3h40 du mat. Je vais essayer quand même de pas parler trop fort, hein. Désolé, YouTube, très comme ça. On peut se permettre une défaite, mais pas deux. On se permet même pas une défaite. On est comme ça. Nous, on est là pour gagner. J'ai une petite carte franchement très sympa. De toute façon, je vais piocher en fait le reste de ma carte. Hein. Voyez. Là, du bon Hearthstone. Paf. Je vais pas. C'est juste trop fort. Colquay, c'est juste trop fort. Je m'excuse, mais. Elle peut pas être la cible de spell ou pouvoir weak. Mais elle peut être la cible de pouvoir. Voilà, j'ai la petite 2-1. Je vais faire comme ça le trade. Et je vais jouer un loup alpha. La mano, si c'est un masque LED ou quoi là, il a un colquet en main, il a un skeleton. Ah, c'est normal qu'il joue skeleton, hein. C'est très bonne carte d'arène. Hein. Un body sympa, le fait que ça explose, c'est très cool. Bon, je vais jouer celui-là qui a été créé, hein. Qui c'est que j'en ai. Il va sûrement aussi enchaîner par le colquet. Je vais pouvoir faire genre Frozen Touch, trade. Et je balance un petit ping. Bon, la 2-5 est quand même aussi une bonne sortie. Hein. La torse a l'air assez cool quand même avec les trucs, les graines en sommeil. Et t'as des bonnes cartes. Peut-être 1-1 quand même. Bon. Elle m'a un peu fait chier dans le reste de la run d'avant. Enfin, dans des matchs d'avant. Là, je vais. Colquer les amis. J'aimerais bien piocher mon Faceless Lurker, hein, avec mes 2 N-buff en main. Ça en soi, c'est. D'après le petit. Earth Arena, c'est une mauvaise carte. N'empêche, pour l'instant, elle m'a bien été. Je pense que je fais le fanatique en premier. Et je vais péter 2-1. Bon, j'ai pas utilisé mon Frozen Touch, c'est un peu triste, mais. Bon, voilà, un prochain tour. Gros truc, bon, lui il me bourre. Faut quand même pas le sous-estimer. Hein. Il fait. Il y a quand même un adversaire en face, quoi. Il va face, moi je vais devoir double trade son Léoc. En fait, je suis en train de réfléchir à ce que je double trade Léoc. En vrai, je peux trade envoyer lui. On verrait genre. Hop, ceci, c'est une 4-10. 5 mana, une 4-10 stone, franchement, c'est un monstre. Hein. Ça peut être très gros. J'ai les petits élémentaires de sucre là, ils sont. Mince. Les élémentaires en sucre. Ah, ils sont là. Qui permettent de proc ça. Ou sinon, j'ai une toute petite énergie élémentaire avec Arcanosaur. Lui et le petit spell à 4. Hein, voilà. Franchement, je me vois bien juste faire une
8-8. Entrée de là-dedans de dégâts face. Je corrupte lui. Hein. J'ai posé une 8-8. J'ai géré quand même sa 5-5. Bon, avec ça, il a pu gérer ma. La taunt. Hein, mais... Il a face. Il va se bouffer un corrupteur. Moi, je fais le trade. En fait. Ah non, il n'y a pas le secret qui met en sommeil. Ok. C'est bien ça. Je fais ceci en espérant que ça vienne là. Voilà, lui il a 2 HP. Ça c'est quand même une 4-7. Bon. Lui ça peut toujours être bien. Je vais le faire, par contre il me bourre. Faut pas le sous-estimer. Piège explore. Bien. Je suis 1-off au prochain tour. Un petit ping là qui part pas sur une créa mais qui part face. Et il est mort hein. Ah tant pis. Quand même très belle game là, très violente hein. On a quand même pu voir la puissance du deck hein. Parce que malgré le fait que je me suis pris une très bonne sortie là. Et que après il est d'après le Earth Arena hein, donc le tracker d'arène, il est fort contre les aggros, tu vois. Donc vous voyez là, j'ai quand même mis un HP, hein. Alors que je me suis pris une sortie très violente. Après moi aussi j'ai fait une sortie très violente, hein. Donc voilà, c'est non. Mais bon, le piège vibrant, il mettait dans tous les cas mal. Je pouvais pas trop tourner autour, hein. Ouais, juste espérer que ça soit genre un piège à serpent. Piège à serpent, c'est pas chaud encore, hein. Pour 2, tu mets 3-1-1. Ça reste franchement assez bien. Surtout que ça peut un peu psychoter l'adversaire. Mais bon. Franchement, la reine, j'aime bien faire ça. Genre. En fin de trim ou tranquillement après avoir fait un peu une petite session tryhard, une petite arène. Enfin celle-ci aux œufs je l'ai pas commencé tout de suite hein. Je l'ai commencé il y a un petit moment et je l'ai fini après cette petite session de ladder mais. Ça c'est très intéressant. Je pense que je fais ceci. Arcanosaur c'est pas ouf là dans ma main. Là on veut des petites cartes avec de Frozen Touch. C'est un 1, elle me rend fou. Ah, je vais vous dire, c'est un 1. Ma Nemesis. Franchement, je pique. J'ai pas envie qu'elle trade d'autres créa. Là je vais pouvoir faire la délinquante. Il fait quoi? Il réfléchit. Il fait ça plus le secret. Résume. Je vais pouvoir faire un trade là-dedans. Alors il a une créa. Ah non, il a ça, c'est relou. Ça m'oblige à
caler un ping si je veux. Si je veux buter lui. Attends. Ça c'est très intéressant. Parce que je peux jouer un ping et développer un partenaire de labo. Là j'ai une petite mouchette, elle me tourne autour. Ça me rend fou. Avec deux chasseurs, ça fait de la value. Cette arme, est-ce qu'il va trade ou il va faire un dégât face? Ah non, c'est vrai qu'il a, il a les dégâts pour trade, hein. C'est pas une 1-4. Hein. Bon. Je développe elle. Moi je fais double créa. Franchement, je développe elle. On est quand même en arène, hein. On va jouer l'arène à fanatique. Il a quand même une bonne arme, hein, sur son petit interpack. Donc bon, mais ça c'est gros, hein. Après ça se prend un frozen touch. Frozen touch. Prochain tour, je peux faire ça, ça, un ping. J'imagine. Elle vient le mute et elle commence à me casser les couilles. Ok, un Drake. Il a un petit T1 ou. Ouais, ça. Je vais ping ça à 1 et je vais double créa. Hein. Faudrait un petit télème pour proc mon arcanosaur. En fait là c'est, j'ai un peu dans hors de ma zone de confort. Parce que même si le tracker dit que c'est très fort contre les agros de cette run, c'est maintenant que je croise des agros, quoi. Juste avant j'en avais pas croisé. Je rejoue mes deux créas, hein. J'ai pas trop le choix, hein. Je pose du board, je vais dire que lui il peut pas vraiment développer. Au prochain tour je vais essayer de clean un maximum son board. Après non, le truc c'est qu'il peut faire des trades et développer des plus grosses créas. Ça fait peur, surtout qu'il a fait de Koreos Jedi. Donc là j'aurais un petit senior et 4 mana qui peut tomber. Et bon, j'ai sûrement perdu cette game. Ah zut, ce sera pas le 12 victoires. Il va nous faire quoi? Il va attaquer avec lui. Non, il fait le trade comme ça pour. Ouais. Hop, il fait PH. En fait, qu'il ait fait du full trade, n'empêche, ça me laisse une ouverture. Mais je suis trop derrière. Et là je suis 2 off. On peut genre taper face, taper là dedans et ça trade avec la 1-2. Et lui il continue de piocher. Allez, Frozen Touch qui m'ont bien servi là, mais. Ah, il a même ça quoi, là, carrément.
puis j'ai un d'attaque en plus. Il manque un petit élème pour proc ça. Hein. Oui, parce que bon, là, le mieux que je puisse faire, c'est genre ceci, mais il me tue. Hein. Bon, tant pis, ce sera un petit rousse victoire. Malgré l'idée à torturer vite. Quand même, le mettre sur YouTube, ça fait une petite vidéo bonus Hearthstone. Surtout que maintenant, je vais commencer à un peu arrêter de faire des vidéos Hearthstone. Je vais vous demander pourquoi. Bah, tout simplement parce que j'ai envie de faire du cross mage. Ça fait beaucoup. Ouais, bon, c'est bon, là on a compris. N'empêche, ça fait un plaisir de voir un petit. Voilà, comme ça. Hein. Et hop là, je vais vous montrer qui est. Voilà. Ah, rien de fou. Hein. Allez, au revoir YouTube. Et bye.